passionné de jeux vidéo, vous suivez un peu l'actu, vous avez déjà entendu ce nom-là quelque part et c'est bien normal. Unreal Engine 5, pour ceux qui se demandent encore quelle est cette chose mystérieuse, eh bien c'est avant tout... J'aurais pu citer encore plein d'autres jeux, mais alors quel est le point commun entre tous? Bien, ils ont tous été faits sur le même moteur de développement, donc Unreal 5. Un moteur de jeu, donc c'est ce qui va nous permettre de faire le code de notre projet pour créer toutes les mécaniques dont nous avons besoin. Mais c'est aussi là qu'on va pouvoir avoir le rendu visuel de notre jeu en passant par tout le modèle 3D que l'on va ajouter à notre scène, etc. Vous scrollez sur YouTube et... Je crée un jeu en 48 heures. J'ai recréé Fallout en une semaine. J'ai recréé le jeu Star Wars Outlaw en une semaine. Et toutes ces vidéos que vous avez vues, elles ont été faites sur quoi? Je vous le donne en mille, UE5. Et à chaque fois, les concepts sont faits par un seul gars, puis allez, vous savez quoi? Eh bien, UE5, c'est gratuit. Oui, oui, tout le monde peut faire un jeu et c'est gratuit, c'est pas fou ça. Maintenant, vous voyez sûrement là où je veux en venir. Pourquoi pas vous, finalement? Pourquoi pas vous aussi, vous ne ferez pas votre jeu? Bah oui, c'est si facile, finalement, on peut faire un jeu en seulement 48 heures. Allez, c'est parti, on installe UE5 et on lance notre premier projet qui est un template. On comprend pas grand chose, mais on appuie sur play et ça marche. On a un personnage qui se déplace, qui saute, une caméra qui fonctionne, bref, trop bien. On télécharge nos premiers modèles 3D pour donner du cachet à notre jeu. Maintenant, c'est beau, c'est super, mais y a pas grand chose à faire. Alors allez, c'est parti, on va regarder des tutos, comment genre ouvrir une porte, puis ça marche, super, puis soyons fous, tirer avec une arme. Bon, jusqu'à présent, ça a peut-être marché, mais on continue et on va faire peut-être un inventaire. Et là, ça commence. Juste pour faire un inventaire, autant de temps pour un truc claqué qui ressemble à rien, flemme. On arrête tout, on abandonne, ennuyeux, c'est trop difficile. Puis un jour, on se remotive avec une envie encore plus forte d'aller plus loin parce qu'on n'est pas des faibles et on veut réussir. Alors c'est parti. On installe UE5, on lance un projet, on ouvre une porte, on tire avec une arme, on finit même par arriver au bout du tuto inventaire, mais on a plein d'erreurs dans notre code. Et on sait pas pourquoi. Bah ouais, il y a plein de rouges partout, mais on s'en fout, ça marche, alors on continue, c'est parti. Tuto, 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 et un jour, tiens, je vais faire essayer mon jeu à des potes alors. Tuto package UE5, alors ok. On attend 10 minutes, puis... On réessaie... Bah ouais, plein d'erreurs, et on n'y comprend rien. Alors quoi, on abandonne une fois de plus? Bah ouais mon gars, t'as voulu apprendre à nager aussi vite que Léon Marchand et finir médaille olympique alors que tu savais même pas comment rester à la surface? Alors, prends deux secondes, pose-toi et écoute ce que j'ai à dire. Déjà, bon, tout ce que j'ai dit avant, tu t'en doutes bien, c'est du vécu. Mais pour avoir posé la question à pas mal de personnes, bien, ça s'est quasiment passé de la même manière à chaque fois. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai quelques conseils à vous donner pour que ça ne vous arrive pas, ou plus du moins. Mais pour que ça marche, il va falloir s'y donner à fond, ok? Tu crois que tu connais que dalle en développement et qu'en regardant deux tutos sur YouTube, c'est bon, tu sauras faire un jeu? Mais c'est juste pas possible, ça marche pas comme ça, donc on va tout reprendre depuis zéro et je vais vous expliquer comment moi, j'ai réussi à évoluer sur UE. Je dis pas que c'est une solution miracle pour tout le monde, mais je souhaitais partager mes retours sur mon expérience, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Pour revenir au sujet précédent, quand je parle des vidéos du genre recréer un jeu en une semaine, bon déjà faut bien faire la différence entre ce que c'est que de créer un jeu de zéro, créer chaque modèle 3D, créer des animations, FX, musique, le code, bref tout, et faire un semblant de quelque chose de jouable en cherchant des modèles 3D à droite à gauche, récupérer des animations et faire un code à la va-vite pas aussi propre et optimisé qu'un vrai jeu, parce que le but de ces vidéos est simplement de rendre un concept en un temps imparti pour dire voilà, ça pourrait ressembler à ça, je vous montre en quelques jours le résultat que j'ai eu, mais ce n'est pas un jeu, c'est un détail qui a son importance. Bon, je blâme pas du tout les vidéastes qui ont fait ce genre de vidéos, c'est très cool à voir et tout, mais ensuite pour les débutants qui commencent sur UE et qui se rendent bien compte de l'écart entre la réalité de l'apprentissage et ce qui paraît être si facile en vidéo, bien là c'est le décrochage.
Et maintenant, on va attaquer selon moi les points clés qu'il vous faut assimiler pour réussir sur UE. Mettre vos grandes idées et ambitions de créer le prochain jeu AAA de côté. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais tu peux pas lancer ton premier projet et vouloir faire genre un MMO comme World of Warcraft et te dire « je vais y aller tranquille, en rendant des tutos, ça va le faire ». Non, il faut des bases solides avant d'entreprendre quoi que ce soit. Alors les tutos, c'est bien, mais avant de copier-coller ce qu'un gars fait, faut déjà que tu comprennes le logiciel et tout ce que tu fais, comprendre la logique derrière chaque étape, et ce n'est pas des tutos qui te l'apprendront, ou du moins ça va être compliqué. Vous me direz sûrement alors oui, mais je fais comment si je rate pas de tuto? Bon, déjà, solution numéro 1, tu vas en école de dev. Mais je pense que si tu es là, ce n'est pas dans tes projets, alors dans ce cas-là, il faut suivre des formations. Et là, j'ai plusieurs choses à dire sur le sujet. Déjà, commençons par ce qui est pour moi la meilleure formation française gratuite sur UE5, donc une formation de 12 heures sur YouTube de Game Dev Teacher, où vous allez voir comment fonctionne le système de déplacement sur UE5, système de tir, barre de vie du personnage, point de respawn en cas de mort, meilleur score, les bases de l'IA, déplacement, vie, attaque, mort et bien d'autres choses encore. Et je vois déjà venir, ah oui, mais c'est une vue du dessus, moi je veux faire un jeu FPS et autre chose. Bah c'est bien, mais vous êtes là pour apprendre. Et ce que vous allez apprendre sur UE, ça sera appris et applicable dans la plupart des situations. Donc ne voyez pas ça comme apprendre à faire un jeu de tir en vue top-down, mais plus comme un savoir-faire de connaissances que vous pourrez appliquer quel que soit votre jeu. Une fois que vous aurez commencé par cette formation gratuite, je vous conseille d'enchaîner pour les petits budgets sur la formation Runaway de Mathieu. Là on parle de 50 heures de formation pour 50 euros. Donc vous en aurez pour votre argent, surtout qu'on parle de quand même plus de 2000 élèves qui ont acheté cette formation pour une note totale de 4,9 étoiles sur 5, donc c'est pas de la merde. Je vous laisse les infos en description, bien entendu. Personnellement, le jour où j'ai enfin réussi à accrocher Unreal, c'est quand j'ai suivi dans un premier temps la formation de 12 heures, puis j'ai directement enchaîné la Runaway de 50 heures. J'ai lancé mon projet perso qu'après m'être bouffé plus de 62 heures de formation non-stop. Alors vous pouvez vous dire, c'est long. Oui, c'est long, mais on parle d'apprendre un métier là, donc 62 heures, c'est rien au final. Après ça, j'ai lancé mon projet de jeu d'horreur FPS, bien vous savez quoi? J'ai passé 3 semaines à développer mon jeu sans regarder une seule vidéo tuto. Et ça, simplement avec les connaissances que j'avais acquises. Quand vous passez du matin au soir à avancer, comprendre ce que vous faites, créer vos propres mécaniques de jeu tout seul, bien là, c'est vraiment satisfaisant et vous kiffez ce que vous faites. Et pour la troisième formation Masterclass, qui là demandera plus de budget, car là on parle de 247 euros et 217 euros avec le lien en description, pour plus de 115 heures de cours. Donc là, vous n'aurez aucune autre formation aussi poussée et complète du côté FR. Donc une formation de Game Dev Teacher, comme d'habitude, les informations en description. Bon, pour le coup, je n'ai pas encore suivi cette formation, donc je ne peux pas vous faire de retour personnel, mais pour avoir discuté avec d'autres devs qui, eux, l'ont suivi, elle a l'air vraiment incroyable, donc je ne vais pas tarder à la suivre à mon tour aussi. Alors maintenant, vous avez fini de suivre vos formations, vous êtes fin prêt à lancer votre premier projet et faire le jeu qu'il vous plaît. Avant qu'on aborde les sujets importants pour voir comment réussir sur UE5, je tenais à vous dire que concernant les tutos énoncés plus tôt dans la vidéo, ce n'est pas mal. Vous pouvez regarder les tutos, c'est même très bien, mais pas quand vous commencez. Vraiment, gardez à l'esprit qu'il faut d'abord vous familiariser et comprendre UE avant de vouloir apprendre comment faire une mécanique bien précise. Sujet suivant, les packs achetables sur Fab. Anciennement le marketplace, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Déjà bon, concernant tous les packs qui ne parlent pas de code, donc modèle 3D, VFX, sound design, etc. Bon, vous faites ce que vous voulez bien entendu. Mais pour le reste, bien c'est comme pour les tutos. Vous allez voir un pack de combat, super, j'en voulais un, maintenant je peux me battre avec mon perso, puis tiens, un système d'IA déjà tout fait, où elles se battent entre elles, etc. J'ajoute un pack à mon projet, ça marche, mais je comprends rien au code. Alors je touche à rien. Deuxième pack, mince. Il faut que mon système de combat puisse interagir avec le code du pack d'IA, mais je comprends pas. Il y a plein d'erreurs dans mon code, je peux même plus package mon projet, mon éditeur crache en permanence. Et oui, car même si certains packs ont l'air intéressants et pourront être une grande source de savoir, bien si vous ne maîtrisez pas UE et que vous n'arrivez pas à comprendre comment le code fonctionne, bien cela ne vous servira à rien et vous aurez juste perdu de l'argent. Alors arrêtez de vouloir tout de suite, car ce n'est pas possible. Il faut apprendre, s'entraîner, échouer et recommencer encore et encore. Maintenant que vous savez ce qui pour moi sont les fondamentaux pour réussir en tant que dev sur Unreal Engine 5, on va faire un petit récap rapide. Ne suivez pas bêtement des tutos sur YouTube alors que vous ne comprenez pas ce que vous faites. Suivez un maximum de formations que possible avant de lancer votre premier projet pour acquérir un maximum de connaissances et avoir des bases solides. Trois formations à suivre selon moi en fonction de vos moyens et votre envie. Première formation de 12 heures qui est gratuite et qui est sur YouTube. Deuxième formation de 50 heures pour une valeur de 50 euros qui vous apprendront les fondamentaux de UE5. Et je vois déjà venir, oui, j'ai pas d'argent, j'ai 12 ans. Ben, si ce domaine vous intéresse vraiment, au lieu de demander des skins Fortnite pour Noël, pensez à UE. Troisième formation, 217 euros pour 115 heures de formation où vous allez découvrir UE5
en profondeur et en détail pour devenir un professionnel. Bon ok, là c'est pas pour tout le monde vu le prix, mais tout dépend de vos ambitions. N'achetez pas de pack de système, blueprint, etc. sur le marketplace tant que vous n'avez pas terminé l'étape 3. Parce que sinon, vous ne comprendrez rien au code et votre pack sera contre-productif. Kiffez ce que vous faites, car ce métier-là est fait pour être vécu avec passion. Et si vous n'avez pas envie de vous casser le crâne à apprendre un langage de programmation, passer des heures à apprendre, bien vous n'y arriverez pas. Et pour aller encore plus loin, soyez curieux. Vous voulez être dev à 100% et faire que du code? Pas de problème. Mais regardez et exercez-vous sur les autres aspects quand même. Modélisation, animation, texturing, FX, etc. Car en comprenant comment fonctionne, bien sûr au sens large, hein, chacune de ces filières, vous pourrez avoir une vision d'ensemble sur ce que vous faites et régler certains problèmes qui pourraient apparaître sur des projets à vous. Et sur ce, bien voilà, vous savez tout ce que je voulais vous transmettre à travers cette vidéo et mon expérience personnelle. Donc n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo autour de vous si vous avez des amis dans cette situation ou qui veulent commencer l'aventure du E, ça pourrait les aider. Faites-moi un retour en commentaire ou sur le Discord en description. J'ai investi pas mal de temps dans cette vidéo, j'ai voulu faire quelque chose de pas trop mal, donc voilà, ça serait cool. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, salut!